quand nous effectuons un parcours de 117 km à travers les Yvelines, où on passe de caserne en caserne, sur 24 heures de course, où on récolte 1 € le kilomètre, et c'est chaque sapeur-pompier de chaque caserne des Yvelines qui peuvent participer à cet événement. Très bonne ambiance, on est très bien accueillis dans les centres, c'est super. Super, belle organisation, Mika a encore très bien travaillé. Espérons que ça continue encore comme ça, c'est super. La soupe est bonne ? La soupe est très bonne, très bien reçue, Mélisie, champion. Là au départ, on est 70 à être parti de Montigny-Montenay. Et là, on arrive donc à Vélizy, une caserne qui est dynamique, où on va passer par Viro et Versailles. Et là, en fait, on arrive à 95 sapeurs-pompiers qui partent de Vélizy. Et on arrive à Montigny demain, au gymnase Pierre de Coubertin, à environ à 16h. On va passer par Magny-les-Hamons pour arriver à Vélizy. On m'arrête à Plaisir, si tout va bien. C'est à peu près 50 km. 22 heures de course à peu près, voilà, avec des ravitaillements effectués dans chaque caserne. Donc ça nous aide bien, ça nous réchauffe parce qu'on a le temps n'est. Et pour l'instant le temps est avec nous, il neige pas, ça gèle un petit peu, donc on fait très très attention. En tant que bénévole, comme ça, pour aider un peu le Téléthon et aider Vincent. D'accord. Voilà, voilà. Non, pas spécialement. Oh bah c'est une bonne initiative pour mobiliser les dons du Téléthon, mais en fait. C'est pas étonnant des pompiers, ils donnent de toute façon tout leur temps et pour sauver des vies. Et le Téléthon, c'est avant tout pour sauver des vies. Donc là, c'est une initiative qui va dans leur don de soi quotidien. C'est pour ça qu'on est venu les soutenir. Là. Allez, vous tenez.